troisième et dernière manche de la Coupe de France de cyclisme féminin. La finale se déroulait à Loudun et l'équipe Vienne Futuroscope a réussi le grand chelem avec Audrey Cordon qui remporte l'épreuve et prend la première place au classement général, de quoi inaugurer en beauté le tout nouveau maillot bleu-blanc-rouge de l'équipe. Freddy Veto et Maxime de la Houplière. Un maillot bleu-blanc-rouge au cœur de l'équipe Vienne Futuroscope. Sur ses terres, la formation poitevine traîne le titre de championne de France de Marion Rousse. Une première sortie au cœur du peloton, forcément particulière. C'est vrai que on sent qu'on est différente quand même dans le peloton. Et bon, c'est quelque chose de bien. Et surtout, quand on a le maillot, on veut vraiment bien faire. Bien faire, c'est défendre la tunique rose de leader d'Audrey Cordon lors de cette dernière manche de la Coupe de France. Sa seule adversaire porte le dossard 62, Aude Bianic, 20 points derrière au classement général. Quand la Bretonne s'échappe au 83e des 119 km, Audrey Cordon saute dans sa roue. Le duo relègue le peloton à 2 minutes, le scénario idéal pour Vienne Futuroscope. On avait calculé selon les points qu'il ne fallait pas qu'il y ait 6 places d'écart entre elles au niveau du classement sur la course. Donc là, elles arrivent à 2, on a sauvé l'objectif principal. Et après, c'était de gagner. Gagner devant le public poitevin. Audrey Cordon en a l'occasion quand Aude Bianic est victime d'un saut de chaîne. Mais la cycliste de Vienne Futuroscope préfère une victoire au panache. Elle attend son adversaire et la règle au sprint. Sa troisième victoire, la cinquième pour son équipe, en 5 manches. On a montré aujourd'hui qu'on était l'équipe la plus forte en France et qu'on avait, tout en étant très très jeune, parce que la moyenne d'âge n'est pas très élevée, on réussit à aller battre les plus anciennes, les plus expérimentées. Et puis ça a prouvé aussi, surtout pour Aude et moi, que notre place au jeu, on la mérite et on a été la chercher avec conviction et qu'on ne l'a pas volée. Maillot bleu-blanc-rouge de championne de France, maillot rose de vainqueur de la Coupe de France, le titre par équipe et 21 victoires au compteur. L'équipe Vienne Futuroscope réalise un sans faute et certainement la meilleure saison de son histoire. Et puis gros plan sur l'équipe universitaire.